J'ai déjà tué un Non, pote je comme un connais con pas. avec un panneau quand on Salut était dessus, YouTube. on était low life. Nouvelle équipe, nouveau problème. Cet enfer. Non mais oh. Ah bah si, si, ça va être les problèmes, si. Bah après C'est gentil. C'est pas gentil, c'est après réaliste. ah Du coup, c'est la bah 9ème ça VOD. dépend hein. Oui. Et ben, let's go, quoi. En fait, finalement. Voilà. Donc avec un nouveau joueur tellement. Bon toi t'es expérimenté, moi je suis average on va dire en anglais. Bon Alors, du coup. expérimenter, oui, ça reste à voir, hein. Ah oui mais attends c'est vrai je t'ai pas expliqué ma partie là à un moment donné. Oh, ouais. Parce que tu vois en gros on était sur Titan, donc S plus. Et en fait le délire c'est que. Bah attends, en vrai, attends, on va déjà faire expérimentation en premier. Et en gros le truc c'est que dans Titan, j'étais dans un cul-de-sac. Et en fait j'avais le coiler, donc Appuie le sur mec 1. le perso ressort. C'est la danse des boomers. Et je traie les D'accord. vaches et puis je pousse. Je traie la vache et je pousse. Je Tu te traie la considères quand même vache comme boomer? et je pousse. Voilà. Ah, oui, ah c'est vrai, j'ai 62 là. On fait quoi avec les 60? On les Pour utilise ou l'instant, pas? non. Tu vas aller dans le noir? Bah pour l'instant, En vrai, on ça sert peut, à rien, hein. on n'a pas assez d'argent. Pour l'instant, on va rester groupir et puis après, on se séparera quand on aura Flashlight Tokuboki. Putain, il y a une pelle, putain, la pelle, moins 50%. Ah oui. Bon, allez. Bah, du coup, expérimentation, allez, première map. Let's go. Let's go. Tu connais le principe du jeu, Radarm, ou pas du tout? Non, faut lui expliquer. Allô? Alarme? Allô? On va perdre masse. Eh ben non. Ah voilà. C'est toi. Chargement, oui. Bon, Oui. oui. Alors, en gros. Tais-toi et lui, c'est lui. Du coup, est-ce qu'il faut qu'on t'explique un peu le bordel en gros? Un Déjà, peu. quand je dis, c'est un peu SCP. Hein, c'est un peu à la SCP façon. Putain, il y a une citrouille. Il se fout à la gueule le randomizer. Et en gros, c'est que tu vas rentrer dans un building et tu dois aller choper des objets perdus et tout, enfin du loot, tu vois, pour revendre, pour atteindre le quota. Mais t'es pas tout seul. Si tu Vu que c'est du fais com SCP, tu clic vas droit, avoir un tu problème. peux scanner la zone. Les objets qui sont en Et oui. vert sont des objets attrapables. Voilà, rouge ennemi, Ok. cadavre aussi. Et voilà, Enfin. on passe par ici ou Fire Exit? Non, d'abord l'entrée En vrai, on principale. passe. Et on y va, hein. Et du coup, ouais, donc faut falloir faire gaffe à ton cul aussi. Père. Tu vois, ça va. J'adore ma vie, il fait noir. Alors. Là pour l'instant on va rester groupir. Ouais, alors storage room par contre. Attendez, ne va pas trop Ouh, vite. moteur! Ah, je vois rien, c'est atroce. Va, va, Là, va il le y a. poser, va, Alors. retourne en arrière, va le poser à l'entrée. Ouais, je vais à l'entrée, vas-y. Allez, Le radar. vérifiez-vous. Là, hop, nous on va Du devant. coup, du radar, quoi. Vous allez chercher quoi du coup? On doit aller chercher des objets. Donc pour l'instant c'est partie exploration. Si t'entends des bruits bizarres, bon bah c'est qu'il y a des mobs. Là y a rien ici, on va remonter. Si t'entends des bruits bizarres, c'est qu'il y a des mobs et t'as des mobs de tout genre. Là, il y a une caisse de bière. Si tu veux, radar, prends. Y'a Donc là, rien en tu vas bas? voir, regarde, en bas, t'as ton inventaire. Donc t'as 4 slots. Là, tu vois, normalement, t'as les mains pleines avec les Oh bouteilles. putain. Eh, Donc ce qu'on les conseille. mecs, Attends, vous attends, êtes. attends. Ce qu'on Là. conseille dans ces cas-là, c'est dès que t'as les mains pleines et si tu te souviens où est la sortie, de les mettre directement à l'entrée. Tu ressors par la porte, tu poses. Ok. Tu te rappelles où Par c'est? contre. Donc je les. Ouais, je les pose à l'entrée là-bas. Ouais, Ouais. mais Par dehors, contre, c'est qui alors. l'aveugle? C'est qui l'aveugle qui a oublié ça alors? Dans la salle? Ah, il y a la Fire Exit en haut. Attends, Radam, 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 reviens, 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 reviens. Ouais. Il y a la Fire Exit en haut. Donc ça, c'est la sortie de Vas-y, secours. prends. Tu peux la prendre si tu veux. Et t'as l'entrée principale qui est pas loin. Attends, je te montre. On va le laisser tout seul. En fait, si tu veux, donc t'as toujours une entrée principale et t'as toujours une Fire Exit. La Fire Exit, c'est la sortie de secours si tu veux. Et là, tu peux descendre à l'escalier tout en bas. Et l'entrée, si tu veux, elle est. Dès que t'es en bas, elle est à gauche. Et Donc après, je mets ça devant, je Ouais, mets. ouais, ouais. Ou alors, tu peux aller jusqu'au vaisseau si tu veux le poser directement. Comme tu veux. Ça marche. Moi, je retourne dedans, hein.
Ok, ok. C'est pire idée de laisser la dame tout seul, mais d'accord. donc là, on est allé. Par contre, ça me rassure pas là, ce que j'entends. Qu'est-ce que t'entends? Je sais pas, j'entends une mine, mais je sais pas où elle est. Une mine. Comme marcher dessus. Voilà, il me dit que je suis aveugleman. Hop, devant, il y a une mine. Qu'est-ce qu'il y a? Mine devant là, mine devant. Alors devant par rapport à où? C'est ça le truc. Là, là, sur le mur ici. Non mais quand on n'a pas de visuel sur toi, c'est bien de dire sur le mur ici alors qu'on ne voit pas quoi. Attends, là, t'es où là? Là, bah, moi je suis toujours à gauche. Si, il est ici. Là, ah oui, elle est là, oui, à droite. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mine, marche pas dessus. Il vit. Ouais, si vous marchez dessus, au revoir. Oh, une clé. Ouais, j'ai entendu un bruit pas super cool. Les mecs, j'ai le générateur. Ah, oui. Ah, attends, moi j'ai le générateur complètement là. Mais c'est ce que je viens de dire. Ah oui, bah t'aurais pu passer par là que t'es portes ouvertes. Bah du coup on passe. Ouais, mais si on prend ça, on va se faire. Ouais, mais si on prend ça, on se fait enculer après parce qu'il faut qu'on se taille dès le début. Bah mais si tu te souviens où est la sortie, c'est bon. Oui. Eh, en vrai, au pire, c'est quoi? Mais non, on se barre en vrai. Bah je prends, hein. Tu veux prendre? Ouais. C'est parti. Par contre, fais gaffe, les entités ils pop. Voilà, j'ai la radiation. Ouais. Attention, allez. Ouais, mine ici. Ah là, elle est là, ouais. On descend. Voilà, descendez. On va passer à l'entrée principale, je pense. Non, c'était là. En face. Alors, tourne au vaisseau. Hein. On s'en fout. Ouais, c'est bon. Vas-y, prends le gros objet, on se taille, je pense. On a bientôt récupéré. Ouais. Vous avez rien laissé la sortie de feu? Oui. La sortie de feu. La sortie de feu. La sortie de secours, aïe. On est l'escalier à droite, enfin. Oui, on est sur. Oh bah les couilles par là. On va passer par là. YOLO. Bon. Merde. Ça c'est la clé. Allez, on y va, on y va. Le mettre où ça aussi? Bah drop. Voilà. Let's go. 130, on a pile assez. Ah bon, on a pile assez, non, on a plus que ça. Pourquoi tu mets dedans toi? Le mettre dans le placard. On a 141. 141, ouais. Nice. Bon bah allez, hein. On décolle. C'est bon, tout le monde est là? Moi je mets dedans parce que s'il y a des mobs qui prennent les objets, bon bah on est pas dans la merde. Surtout s'il y a les chiens, le pire. Ah, le problème, c'est les chiens parce que en voice activation, c'est si tu parles, tu peux te faire enculer à tout moment. Mais c'est pour ça que moi je le laisse, c'est plus rigolo. Ah, la dame le plus. Le plus flemmard. Et pas Reno. Ouh. Deux jours, allez. C'est parti. Alors, en fait, si tu veux Radam, t'as un écran derrière qui te dit que tu dois faire. On doit ramener l'équivalent de 130 balles en un temps limité. À la fin de ces deux jours, on va vendre nos objets. Et puis, si on a le quota, on peut continuer. Si on n'a pas le quota, bah, c'est terminado. C'est finito. Ouais, ok, je vois en fait. Ouais. Par contre, on va pas rester dans l'expérimentation. Hein, parce que orage, non merci, on va aller dans l'assurance. Confirme. Assurance. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Let's go. Par contre, j'espère qu'on m'entend bien sur le jeu parce que j'ai l'impression qu'on m'entend faiblement. Non, t'entends tellement bas, mec. C'est d'ironie. Bah, je vais être sûr. C'est d'ironie. Après, on peut monter les sons individuels des gens. Ouais. Oui, je crois que c'est derrière. Ouais, je me souviens. Ouah, putain, je me souviens un peu. Je déteste la randomize des fois les trucs.
Ouais, il y a une... Alors, en haut, il y a une phare exit si vous voulez. On peut prendre l'entrée principale. Oh bah, l'entrée principale d'abord. Oui, ça c'est Locus, on s'en fout. C'est les mouches. On fait quoi, entrée principale? Ouais. Moi je suis. Là-bas c'est plus rapide. Moi j'y suis. Putain, mais les mecs ils connaissent pas la map! Oh! Ah putain! Je sais pas si t'as vu aussi Radar, mais sous ton personnage en haut à gauche, t'as une barre de stamina mina et. Eh, eh. Super, il rentre et il s'en fout. Kawaka et. Ouais, bon bah on est pas encore plus en la main. C'est ça, et puis t'as une barre de poids aussi, si tu transportes des objets trop lourds, tu pourras pas sauter ou ce genre de choses. C'est quoi, c'est CDS? Bah non, c'est pas CDS. Pourquoi il est parti en bas? Bah. Je sais pas. Y'a pas que de ça en haut? Bon. Moi je vais en haut, hein. Bon, on va peut-être rester ensemble, hein. Attention, tourelle! Y'a une tourelle au fond, n'y allez pas. On va en bas. Ah! Et quoi? Y'a des tourelles, y'a des tourelles des fois. Des tourelles? Ouais. On est pas dans le portail 2, Radar. Ah oui. Ça reste quand même des tourelles. Mais y'a une jump ici, what the fuck? Là y'a un saut. 6. Ah, c'est. On voit vraiment rien. Ouais. Bah ouais, on a envie d'acheter des lampes. Au début, c'est pas réellement nécessaire. J'ai une grande salle vers moi là. Tu cliques droite tous les 2m50. Je suis pas loin, don't worry, be happy, hein. Ça m'a pas suivi, c'est pas grave. Tant pis, pour moi. Y'a un mob en haut. On va pas passer par là. Là aussi. Attention! Y'a un truc dans le coin. Je sais pas ce que c'est. Ah bonjour. Oh. Ah y'a un espèce de truc derrière là, je sais pas c'était quoi. Je me bug là. Ok. Je sais même pas si je sais même pas ce que c'est. Y'a oh qui suivait. Oh tiens. Bonjour. J'ai trouvé du top. Là-bas on a une sortie de secours là-bas. Au fond là. Au fond, alors attends. Elle est juste en face là? Ouais, juste en face là-bas là. Ok, attends deux secondes. Y'a un moteur là. Ah là, il y a un moteur, ouais c'est attendez, ça. Attendez, me gênez pas parce que même sans gêne, 50% du temps, je vais tomber. Vas-y. Attends, c'est éclairé en face. Ne restez pas à me regarder, vous me mettez la pression. Okay. Ouh. Je ramène ça au vaisseau, hein. Ouais, bah de toute façon, je suis fou aussi, donc on va ramener les trucs. Bah, moi j'ai pas. Ouais, on va peut-être prendre la sortie de secours, hein. Ah, ils vont me rejoindre alors. Par contre, le vaisseau il. Where is the. Ah, bah oui, si. Attention. Je sais pas si. Honnêtement, c'est quoi, on cherche encore plus d'objets ou on dépose. Enfin, on va tout déposer de toute manière, moi. Comme vous voulez, hein, mais après, faut pas prendre de risques inespérés, on a assez. Pour déjà passer pour là. Le quota, ouais, je sais. Bah après, faudrait plus de l'argent, hein. Bah, qu'on descend, bah, comme vous voulez, hein. Si vous voulez farmer, allez-y. Moi, je pense que c'est un peu risqué de le faire. Attends, je vais les attendre parce que. Je cours. Le jeu, il est bien foutu en vrai niveau. Alors, le main entrance, bah, c'est oui. Là. Et moi, il vaut du voice chat, c'est ça qui est bien. Ah, le voice chat, il est meilleur que face moi, je tiens à dire. J'étais même pas au courant qu'elle avait rejeté sur Facebook, tu vois. Oh, mais ma gueule! Où est le vaisseau? Il est là. Ouais, non. C'est par là! J'arrive! Putain, j'ai pas une.
roulant au essence, évidemment. 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 Bravo. Bravo. Le poisson, bravo. Le robot et le bravo. Panneau. Salut ah, Chiro, ça va super hein. Bien et toi? Effectivement, ça fait un petit bail. Mais on est sur les Toll Company. Le jeu de l'angoisse, voilà. Évidemment. Et j'espère que ça va bien. Ok. J'entends un bruit pas sain, on va peut-être partir. Hein. Bah restons sur assurance, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est orageux sur expérimentation. Non mais attends, faut décoller, hein. T'as oublié. Par contre, on joue sans mode hein, pour l'instant, mais en vanilla. Tu veux rigoler? J'ai vu un mode. Non, je veux pas rire. J'ai envie de pleurer là. J'ai vu un mode où quand t'as un loot bug, il fait Yippie! Waouh, super. Trop drôle. Ouais, la larme, toujours, ça a l'air. Elle fait marre, hein. Hilarant. Ouais. Merde, assurance avec deux S, espèce de con. Wandale. Ouais. Bah, du coup, réatterris. Allez. Mais. Ah! Ouais, je suis pas avec le coup habituel. Ça change un peu. Bon, même endroit. Hein. Finalement, Radarm, les entrées sur les planètes ne changent pas. Elles restent toujours au même endroit. Donc, à force de faire les planètes, tu sais où sont les entrées principales à chaque fois. Faut juste connaître le jeu du coup, enfin avec Game. Ouais, voilà. Mais après, bon, en termes de mémorisation, ça va plutôt vite. Il est parti où, Jean-Rachid? Il est déjà là-bas, j'espère. J'ai pas paumé. Très fort dommage. Mais du coup, là, c'est le dernier jour avant qu'on aille à vendre derrière. Avec le quota? Ouais. Mais on a suffisamment avec tout ce qu'on a ramené. Donc après là il y a deux stratégies qui vont se mettre en place. Soit on vend tout d'un coup, histoire qu'on ait de l'argent de côté et que ce soit facile de s'acheter des objets. Soit on vend suffisamment pour juste avoir le quota, avoir un tout petit peu plus. Bon okay. J'entends pas Red, je sais pas s'il est arrivé ou pas. Oui, ah oui, mais si, ok. Ah oui, hop, il faut faire un jumpscare. Ah bah de toute façon tu risques d'en avoir des jumpscares hein, donc J'aime pas ça, mais on va voir. Alors moi j'ai une strat... Hop. Elle est juste à droite. Il y a une tourelle, tout va bien. Tout va bien, faut juste courir et tout va bien. Oh putain, elle est en dessous là. Attends, non, elle est juste devant l'entrée. Elle est là, elle est à droite. Y'a plus rien. Hop, je remonte. Vous inquiétez pas, don't worry, be happy. Ok, donc on a fait à gauche, y'a rien. Oula. En plus j'ai entendu un put de micro. Ouais, pareil. Ah, une clé. Doucement. On va doucement, on va pas trop vite. Rien. Bien vu. Attention tourelle, reste pas devant. Ah, oh, là. Ouais. On va à pas gauche. Aller en face, du coup on va aller là. Merde. J'ai dit qu'il y avait une tourelle, bordel. Je stresse, y'a rien ici. On tourne en boucle en fait. Oui, mais c'est bien parfait. Allons en haut. Bon, du coup, y'a rien en face non plus. Et noir. Le pitch black. Le radar est là. Là aussi, après. Après, il y aura deux teams. À partir du moment où on aura lampe torche Toki, soit on se sépare tous. Et on parle au Toki, soit. Attends, on est vraiment tout team déjà là? C'est pas possible. Là, on a fait deux entrées sur trois là. Il peut pas faire exit quelque part? Je l'ai pas vu. Après, au pire, on va à l'extérieur, on cherche la porte de sortie, de secours et on essaie de voir. Après, on peut aussi choisir de ne pas grid. Y'a plus rien. Bon, ah bah écoute. Hein. Vous avez quoi en objet là?
Vous avez des objets ou pas? Là j'ai un cadeau, une clé. Le cadeau, tu peux encore faire clic droit pour l'ouvrir, ça se trouve il y a un truc encore mieux dedans. J'ai rien encore une fois. Pas du tout. Mais si, la télécommande là. Ah, elle est où? Putain, même pas ça a vu. Ah, j'ai pas vu. Bon, j'ai... En vrai, autant rentrer, hein. Et là, j'ai jamais rien, moi. Vas-y, prends, prends. En vrai, autant okay. Se casser. Ah. J'arrive pas. Il est où, Radam? Il arrive, il arrive. J'arrive. Hey, faites pas peur, hein. Ah non, c'est bon. Donc après, tu verras, c'est un peu comme... Enfin... Comme Among Us, s'il y a quelqu'un qui meurt, il y a le chat que entre d'autres personnes décédées. Mince. Donc on le remarque quand il y a quelqu'un. On peut passer là, oui, c'est vrai. Évidemment. Évidemment. Ils sont déjà là. Hop là! Bon! Nickel! Lui il pose vraiment tout dans le placard. Hein. Mais oui! Allez, c'est bon, on décolle. C'est un mob qui rentre et qui pique les objets. Vous viendrez mais pas vous plaindre. Mais les Udel ne sont pas. Allez, cassos. Bah, je crois. Voilà. Et donc là, on est, on a plus de deadline normalement. Donc ouais, on va, zéro, donc on va être vendre. Auto, alors, donc là il y a deux strats, soit on vend tout et bah, du coup on a masse de thunes après derrière, soit on vend qu'une partie suffisamment pour avoir le quota et avoir de l'avance pour la session suivante. Moi je suis plus de la team, ouais, j'économise un petit peu ou quoi. Bah ouais, après il faudrait qu'on ait des lampes torches et tout, hein. Et à la veille, hein. Oui, oui, mais après. Donc là on ta va. Gueule, le speaker. Donc compagnie, confirme. Non, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon micro des fois il saute. Alors, il y a il pas tire. De statique quoi, des fois. Non, ça va. Bah, je sais pas moi. Ah merde. Is ok. Allez hop. Alors attends. Ok, donc prenez, prenez certains trucs, pas forcément tout. On commence par quoi? Les petits objets. Les tout petits? Ok, allez, hop, hop. Le robot ça coûte cher hein, par contre. Hein. Bah, on va voir s'ils sont vendus ou pas. Ça prend quoi d'autre moi? Plus d'avis de pas tout prendre. Ah, attends, on prend des petits trucs. On va voir. Là justement, là je vois pas ce que. Pas de... Attends, je vais voir. Ah, pourquoi ça? T'as pas sonné. T'as pas sonné le truc? Non, j'ai pas sonné, non. Le poisson. 99. C'est chiant que ça prenne pas là, tout y a... là. Gros, là y'a 244 là. Attends. Toy Cube. Combien? 244. Bon, on arrête là. Hein. Ouais. Oh ah, d'un coup lui. Petit gazouillis. Voilà, il l'a pris. C'est là où on vend les 244. Ah ouais putain, 50 télécommandes, pas dégueu hein. 244. On a combien là ensuite ouais, là du coup. Je vais voir. Pour 366, on a déjà assez pour la seconde session. Hein. Par contre, eh, 304 là de monnaie. 304, bah. Vous voulez quelque chose? 3 flashlights et 3 pokies. Flashlight normal ou les pros? Les pros c'est combien? 25. 75. Donc vous faites 25 x 3. Les pokies? Les talkie walkie 12. Flashlight 36. Normal 15. Donc ça fait 111. Donc tu veux faire quoi? On va prendre les pros et 3 pros et 3 talkie walkie? Ouais. Allez, du coup, comment... Donc ça, par contre, c'est des objets qui vont prendre un slot.
Donc ça veut dire qu'on pourra prendre que deux slots d'objets. Ouais. Je disais qu'il y a un mode, ça ajoute des slots, mais en gros t'as un slot talkie, un slot flashlight et t'as qu'un slot pour le stuff. Ouais. Mais pourquoi ils font pas un Steam Workshop en fait, ça je comprends pas. Merde, attends, deny, parce qu'il faut que je m'habitue. Alors, désolé pour le bruit, je vais me moucher. Pas de soucis. Ah, nice, ok, donc tu mets juste le premier mot et t'as tout ton résultat. Désolé. Donc confirme. Oui. Ça fait pas. Attends, les 3 pros. Oui. Pro, flash. On va marquer pro, flash. On va voir ce que ça va donner. 3. Non, fils de pute. Ah non, mais c'est petit à petit qu'il faut payer. Non, tu peux prendre 3 en même temps. Non, mais voilà. Non, c'est qu'en fait, il faut que je commande déjà les talkies et ensuite les pros. Ah oui. J'arrivais pas à mettre les deux. Ah non, tu peux pas. Oh, ils sont en route. Alors, viens. Mon petit radar. Bah, ils sont là. Tout. Quoi, là on vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Et une bonne année. Donc chacun prend un talkie et une lampe. C'est ouf. Ah oui, ok, là. Donc le talkie, il faudra l'allumer en appuyant sur le bouton A. Et quand il est allumé, faut cliquer sur le bouton gauche pour parler. Alors on peut l'essayer vite fait parce que moi il faut que j'apprends comment ça marche les objets. Attends, je vais me mettre à l'autre bout. Et après la lampe c'est clic gauche pour allumer. Tout simplement. Attends, le talkie walkie c'est A pour allumer, clic gauche. C'est A pour allumer, ça va te faire un bruit et tu vas voir l'écran s'allumer en vert. Merci, attends, je crois que j'ai essayé un truc. Vas-y, appuie sur A. Voilà, et si tu fais clic gauche tu peux parler. Oui. Allo, allo, est-ce que vous me recevez Roger? Alors normalement il faut pas lâcher le clic avant de terminer sa phrase, sinon ça coupe en plein mi. Voilà. Ah ok, d'accord, bah... Donc là je l'ai rééteint. Alors je sais pas si t'as vu du coup quand t'as le toki et la lampe, t'as une barre de batterie en haut. De batterie. Voilà. Il y a un endroit dans le vaisseau où tu peux recharger. Je sais pas si tu l'as vu. Emmenez vos fraises. Mais il est là. Ici. Ah oui. Donc si tu fais voilà. E, bah ça recharge ton item. Donc le but c'est d'économiser la batterie. Alors pour le talkie ça va, ça passe. Par contre la torche se vide super vite. Donc il faut pas la laisser en permanence allumée. En général, enfin, moi c'est ce que je fais et machin. Si tu fais vraiment genre tac tac, tu la laisses pas plus longtemps allumée parce que ça te bouffe la batterie et encore plus depuis la dernière mise à jour. Donc c'est vraiment, si t'es dans une petite pièce, tu fais genre pack pour voilà, voir vite fait. Si t'es dans un long couloir, bon bah tu le laisses un peu plus longtemps. Mais il faut que, faut penser à l'éteindre quoi. Parce que par contre là, d'ailleurs, je tiens à dire aussi, ils ont fait une mage. Normalement tu peux allumer ta lampe sans que tu l'as sur toi. Enfin sans que tu l'as sur toi, en gros sans que tu l'as dans la main quoi. Oui, c'est si elle est déjà allumée de base et que t'as un objet, elle va rester allumée. Oui mais normalement tu peux l'éteindre. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a pu l'éteindre avec une pelle dans la main. C'est possible. Il l'a rallumé. Sûrement, oui. Voilà, donc là maintenant, bah, on peut un peu plus se séparer et se dire les choses. Il y en a un qui peut rester aussi au vaisseau. Il a le radar juste en face de lui pour dire bah, y a un objet dans cette salle, il y a un mob dans cette salle, attention, faites gaffe. Ouais. Et il peut aussi ouvrir les portes ou désactiver des tourelles. Avec ce terminal-là. En marquant le terminal, ouais. Donc là, par contre, c'est un coup de main à prendre. Et tu savais, Red, que sur le terminal, tu peux vraiment... si tu vas dans Hover et que tu fais View Monitor... Ouais. Bah, tu vois, en fait, l'écran derrière. Oh. Vas-y. D'accord. Et bah comme ça tu peux directement rentrer les commandes sans faire bon bah je suis là et puis hop je ziote là, puis après hop je ziote là. Et tu peux même dire view, je crois que c'est view espace le pseudo et ça te switch la caméra directement sur le joueur. Ah ouais chaud ouais.
Voilà, donc vous voulez faire quoi pour la planète suivante? On se sépare tous les trois ou il y en a un qui guide au vaisseau comme vous... Bah, en vrai, je pense qu'il y en a un qui devrait rester, je pense. Enfin, je sais pas. Hein. Parce que s'il y a une couille dans le pâté, après. Ah non, mais ça, on n'a pas le téléporteur. Non, on n'a pas le téléporteur encore. Ah, mais ça changera. Ouais, bah ça changera en vrai. Au pire. Bah, au pire, je sais pas, parce que j'ai trop peur qu'en fait on se fasse sim wipe en plus en même temps. Ça dépend le degré de risque que vous prenez. Ouais, bah attends, déjà je vais décoller le vaisseau. Voilà. En vrai, ouais, je sais pas. On va peut-être tenter à se séparer. Moi, ça me dérange pas. Mais dans ce cas-là, faut être tout le temps en mode je communique au talkie, quoi. Ouais. Oui. Le talkie, il... Batterie ou quoi? Oui, le talkie quoi? Enfin, la batterie elle se vide vite ou pas? Non, ça va. Overtime 7 et tout. Oh putain, bon, le quota, ah oui, il va tout nous bouffer presque. Non, 271, on a suffisamment assez. Alors, donc... on a Offsense, Arche, Titan, Expérimentation. Comme tu veux. Là, en vrai, il n'y a pas besoin de prendre trop de risques inconsidérés, on a déjà le quota. Bah, Marche, c'est pas trop dangereux aussi. Non, Marche, c'est B, je crois. Ça dépend, c'est aléatoire là aussi. Absence, hein, je pense. Hein. J'ai pas retenu. Voilà, donc là c'est plus radar, on a fini une boucle, on va commencer une nouvelle. Okay. Les boucles durent 3 jours à chaque fois. Et on va nous demander des quotas de plus en plus grands, forcément. Pas de élevé, ouais. Rainy ? Quoi ? Comment ça, il pleut ? C'est un endless. Enfin, c'est exactement, oui, ouais. C'est endless. Ah, mais les salopes ! Ils viennent de changer au dernier moment ? Ah, des fois, il te met pas tout, hein. Attends, mais Rainy, c'est bon ou pas ? C'est la pluie, donc ça veut dire que... On va sur quoi, là ? Au fond, il peut y avoir des sables mouvants. Oh, merde. Oh, bon, on a intérêt à faire gaffe alors. Ouais, alors faut faire gaffe parce que les sables mouvants ils ont quasiment la même couleur que le sable classique et on a vite fait de se faire bouffer. Bah, on peut peut-être changer de map au pire encore. Soit on tente, soit on prend pas le risque. Hein. On peut tenter, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, allez. Faut juste pas prendre de risque ou quoi. Pensez bien à tout recharger avant de partir. Et le boom là du micro, je l'ai entendu, hein. Oui, oui. Donc attention. Ah, mais Obscene, c'est cette map là en fait. Oui. Ah, on a bougé de spot un peu. Ah non, normalement c'est toujours. Il ah, y a sa mouvante dès l'entrée. Adieu. Non. Merci! Bon bah, on est dans la ferme! Super, on va faire du salut deux, radar! On va faire du deux, allez, bon courage! En vrai, ils peuvent directement partir. Je comprends rien ce qui s'est passé. Ah! L'eau! On est. Je crois pas qu'il est au courant qu'on est mort. Non. Au pire, on fait bot, hein, comme ça on l'évacue, hein. Pour l'instant, j'attends de voir ce qu'il va faire. Ah ouais. J'espère qu'il est pas sur mon stream. Ah oui. Merci. Aïe, merde, t'as fait mon micro. Bah, il fait un choix, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois qu'on va voter. Hein. On va l'évacuer, je crois. Ouais. Bah, ça serait bien de refaire en vrai parce que là, je suis un peu paumé. Bah oui, bah vas-y, go l'évacuer. Rock. Oh non, on me dire qui c'est pas. Ah bah on lui a pas dit aussi. Hein. D'arme, s'il te plaît, reprends dedans, please. Oh non, non, mais non. C'est perdu, merci à tous. Bon bah on est mort. Heureusement ça va, on est au début de la boucle. Bah sable mouvant pardon. Et pourquoi c'est pas j'ai fait ça? Moi j'ai réussi à m'en sortir moi à la base. Bah oui mais c'est pas grave. D'accord, je vois.
D'un coup, je voyais que ça parlait, puis ça parlait plus, je comprenais plus rien. C'est pas mais grave. Oui, mais pourquoi tu t'es suicidé? Ah merde, du coup, on doit tout refaire. Ah putain, on doit tout récupérer là. Oui, là, bon, après ça. Va. Attends, c'est combien 200? Bah, en vrai, ah ouais, 200, mais tu sais, on a plus, on a plus rien. Bah, oui, on a plus rien. Mais non, on a. Oh merde. Alors. Il nous reste 80 balles. Change, parce que Stormy, non merci. Hein. Alors attends. Ouais, je comprenais rien, moi j'étais dans sa mouvement. Alors, 3 Toki, ça fait 36 oui, mais et 45. Le message en bas, il te disait que le vaisseau allait partir, donc merde, tu devais rentrer, fait 81. Mais toi tu t'es suicide. Alors, je vais prendre 3 Toki et 2 flashlights, je vais rester dans le vaisseau et vous guider. Ok. Walkie, 3. Oh, punaise. Allez, il va falloir refarmer comme des bourrins. Hein. Et j'ai dit flashlight. Par contre, c'est le flashlight classique, hein, pas les pros, on a plus de thunes. Ah merde. Confirme. Il nous reste 14 balles. Oh, ouais, chaud. Moi. J'ai vu de la richesse. Quoi, alors, attends, décale-toi. Merci. Alors. Oh oh. Bon, bah, les mecs, on a soit March ou Dean. Tous les autres c'est Stormy, Eclipse, Flood. Bah les mecs je crois qu'on va aller à March hein. Parce que Dean je connais pas trop. Je sais pas. Et ce mec il va aller à March en décembre. Et toi? Putain. Non mais je... c'est sérieux là. Allez c'est bon, allez on décolle. Enfin on atterrit. On combat. En même temps. Donc partez pas, va y avoir le micro, putain. Partez pas, va y avoir la... la caisse. La marchandise. Ah c'est bien, en plus c'est une map où je me perds tout le temps, ça va l'entrée. Non, elle est en face. Oh nice, on est là-bas, ouais, l'entrée est en face. Ouais, B, ouais, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. C'est une nouvelle planète. Alors faut vraiment fermer sa gueule dans la nuit, hein, parce que j'ai entendu. Hein. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, s'il faut vraiment fermer sa gueule dans la forêt la nuit, oui. Et c'est pas encore la nuit. Oui, bah oui, c'est le jour. Je suis pas con. Bon, où est la marchandise là? Ça arrive. Bah c'est lent, hein. Oh, quand tu marches accroupi, ça y est. N'importe quoi. Voilà. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Merde. N'oubliez pas d'allumer le Toki. T'as tout pris ou pas là? Bah j'ai juste pris le Toki pour moi. Normalement après vous avez un Toki et une flèche de chacun. Ok. Faut aller où là? Ah bah faut que tu suives. Red, reviens au vaisseau, Radam t'as pas suivi. C'est bon. N'oubliez pas d'activer le Toki! Les gars, vous me recevez, Roger? Oui, on te reçoit, t'inquiète pas. Alors, over. Le monitor. On s'approche d'une entrée là, actuellement là. On est juste devant là. Ça marche, vous me recevez toujours là hein? Oui, t'inquiète, on te reçoit. C'est juste que j'avais un doute si je pouvais être sur les caméras et discuter en même temps, mais c'est ok. Pour l'instant, il n'y a pas de risque à l'horizon, vous pouvez y aller. Vous allez être dans un cul-de-sac là. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais ils ont un dos. Bon, y a pas l'air d'avoir grand chose dans vos zones là. Là, vous êtes encore dans un cul-de-sac. Alors, il y a une grande salle, il y a un objet. On est dans une grande salle, ouais. Storage, ouais. Y'avait la fire exit dedans ou c'est moi qui rêvais?
Ouais, il y a une tourelle. Alors, de toute façon, ça sert à rien d'y aller, il y a un cul-de-sac. Vous avez un escalier, non? Ouais, c'est bon, je suis en haut. Y a une porte. Alors, si vous descendez et que vous partez à droite, c'était à droite. Il y avait. Il y a deux objets, un au fond à droite et un en face de vous, quasiment de l'entrée. Là, faut vraiment aller au fond de la salle, pas loin de là où est. Voilà, radar, mettez devant. Là, voilà, ici. Mince. Ah oui, mince. Oui, mais il y avait une autre pièce en bas, donc peut-être que vous auriez pu y aller. Là, vous êtes tous les deux full ? Allô ? Oui, quoi ? Vous êtes tous les deux full ? En vrai, retourner peut-être au vaisseau, non? Il est 14h, pour vous donner une indication temporelle. On va vite recheck en haut, genre au-dessus de la tourelle, mais après on va vite rentrer avant que les chiens y débarquent. Ça marche, attention, hein. Donc attention, il y a en face de toi une tourelle qui va s'activer peut-être, mais il y a un cul-de-sac au fond, donc en vrai n'y va pas. Retourne au premier croisement, va à gauche, fonce. Là attention, tu vas avoir une tourelle à ta gauche directement, fonce. Voilà. Ouais, c'est pas viable, c'est parce que vous avez en dessous de l'escalier. Attends, y'a une tourelle, n'y va pas. Heureusement que je l'ai vu, hein. Descends l'escalier. Mon dieu, j'ai failli mourir. Comment c'est, heureusement qu'il l'a vu, je lui ai dit, espèce de con. Y'a plus rien dans votre zone, en vrai, revenez au vaisseau. Bon, voilà, on stay. Attention, tourelle à droite. J'entends le géant pas très loin de ma position. Soyez prudent. Putain, je l'ai vu, j'ai couru direct. Justement, on courait pas. C'était quoi ce truc, mais... Pensez à éteindre le Toki et... Ah, j'ai éteint le Toki, moi. Vraiment, je... Et le recharger. La lampe aussi. Ah oui. Posez tout. 158. Vous avez tout posé ?
Ouais, j'ai 161 moi. Bah oui, moi j'étais avec un objet du coup, j'avais dit. Ah moi j'ai 161. Hein. Attends. Quand tu drop. Bon. Rien. Donc attends, on a 158 donc. Les clés vont pas compter. Ouais, bon. 158, ça veut dire qu'il faut faire 113. A minima. Oh ! Ah oui, par contre, là on a les zones dangereuses. Ah, on a Vaux, Dean, Titan. Bon. Bah, Vaux, on n'a pas fait encore, si. Vaux, on n'a pas fait. Ah ouais, mais Titan, c'est très dangereux. Bon, je vais me perdre. En vrai, qu'est-ce qu'on tente? On tente Baron, on peut tenter Vaux, je pense. Parce que là, les autres qui sont Eclipse, ouais, on est un peu dans la merde, de toute façon. Eclipse, de toute façon, faut pas y aller parce que t'es en danger, je crois. C'est nuit en permanence. Ouais, donc ouais, donc t'as tous les entités dehors. Donc on va dans Vaux, je pense. Hein. Ouais. Et je connais pas la planète, donc on va découvrir aussi. Enfin, je vais découvrir surtout. Oh merde! Est-ce qu'on échange les rôles ou quoi? On peut échanger en vrai. Hein. Qui reste au vaisseau? Bah. Moi je sais pas trop comment je peux donner des ordres, mais ouais. Au pire je peux rester hein. Bah écoute. Vas-y, et dans ce cas-là, passe-moi ta lampe torche. Hop là. Donc tu fais view monitor pour avoir l'écran sur dessus. Voilà. Et ah après ouais. Si tu veux changer de personne, tu fais switch espace soit le début du pseudo, soit le pseudo en entier. C'est bon, je t'ai. Ok, bon, allumez vos toki. Recharger s'il y a besoin de recharger. Et le bug. Je vois la carte et je vois Moonstore et Stera là devant ma gueule. Oui, c'est pas grave ça. Le Tolkiwoki il marche comme ça? Non, il marche pas comme ça. Si, il marche, il faut qu'il soit préalablement allumé. Et je maintiens quoi? Clic gauche? Oui, comme d'habitude. Ah ouais. Allez, bon. On y va. C'est parti. Alors 100% je vais me perdre avant même d'atteindre le bout parce que c'est vraiment la seule map où j'arrive pas à me repérer. D'accord. Donc don't worry. Enfin si tu peux t'inquiéter mais... C'est bon, j'ai la map sur toi là actuellement Nek. Donc tu es le capitaine du chemin. Bah techniquement c'est pas moi le capitaine du chemin, c'est lui qui a toute la map sous les yeux. Ouais c'est en face. Ah attends mais faut que j'allume. Ouais allume. Ça sera mon début. Donc là ici sur cette map la Fire Exit en fait elle est en bas. Oui elle est en bas. Ah d'accord. C'est un peu spécial hein. Oui oui. Elle est juste là en dessous là. Si tu vas là, elle est là. Ouais. Donc faut passer par où? Alors l'entrée est juste là après ce pont là. En général ce pont est pas très solide. Non elle est là pardon. On va passer là. Bon bah c'est parti hein. Ouais. Ok alors là vous allez, il y a une porte en face. Il y a une salle avec un loot. Et il y a le générateur je crois. Le loot est là. Ah il y a un cadeau au fond. Je l'ai vu. Tu as vu le cadeau? Il faut prendre le cadeau du fond. Il y a pas de loot. Il y a pas de loot. Ouais. Continue droite. Il y a pas de loot. Il y a pas de loot. Il y a un truc là si tu veux. Après du coup il y a encore un truc. Il y a encore un truc. J'ai pas l'impression là. Il y a pas d'autre loot je vois. Mais j'ai vu le logo électricité en fer. Donc je pense que c'est le générateur qu'on récupère à la fin. Là il y a rien en haut. Attends viens là. Il y a un truc au fond. Il te reste une case hein, c'est ça Hardarma. Oui, là y'a rien non plus. Vas-y, retourne dans la. Reste une place. Y'a plus rien là où vous êtes. Là vous êtes, y'a plus rien. À part le logo, faites
chelou, je vois pas que je vois, mais y'a rien d'autre. Ok, ça roule. Roger. Ah, elle est où la porte? Elle est où la porte? Elle est là. Ah, mais... Alors attends. Donc on vient de là, ok. Alors moi en général, ce que je fais, c'est je longe le côté gauche, toujours, et je suis le côté gauche. Tiens, y a un truc là. Hop, vas-y, viens, en vrai, on remonte. On va poser à l'entrée. Ça entre, je peux pas changer de main là? Est-ce que ta main est pleine? En fait, allez de l'autre côté, et est-ce que j'ai vu, si vous allez aux escaliers, vous avez pile du doute. Pause. Oui, ok. Pause. En vrai, là actuellement, on a assez pour remplir le quota des 3 jours. Est-ce que tu veux qu'on continue ou on reste dans le vaisseau? Bon, ok, ça roule. Roger cela. Ressort. Non, mais on va ramener au vaisseau. Attends. C'était quoi l'entité? Dis-lui qu'on l'a pas vu. L'entité? On l'a pas vu. On l'a pas vu l'entité. Non, on va passer de l'autre côté, on va passer de l'autre côté. Où vous étiez avant, il y avait un point rouge qui s'est ramené, donc soit c'était un loot bug ou soit c'était autre chose. Non, mais on rentre au vaisseau. On rentre de toute façon là. On va pas courir le risque. Ouais. Ah, et ils font quoi? Ils one shot les monstres? Ils font quoi? Ça dépend, mais en général oui. Ah. Ça dépend de la nature du monstre. Prends en fait. Un screamer et puis... Non, en vrai, il n'y a pas tellement de streamers. Ça va. C'est juste plus surprenant qu'autre chose. Ça, ce bruit. Je sais pas où est le vaisseau par contre. À chaque fois, je me perds sur cette map. Demande-lui si on se dirige dans la bonne direction. Est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction? Attendez, je vais voir ça. Le vaisseau. Ah, c'est bon, j'ai. Viens en face. C'est bon, on a. Ouais. Là, c'est les abeilles toutes seules. Dépêchez-vous! Pas dépêchez-vous. Raté. Moi j'ai réussi! Ah, trop fort, mec. Tu portes pas. Hop là! Attends. Oui, 306. 334. Et là, on vend tout par contre. Ouais, on est un peu dans la merde, donc là, il faut rush à mort. Il va falloir aller peut-être dans. Je sais pas quelle map on peut aller faire pour avoir autant de loot. Bah, ça dépend vu que c'est aléatoire. Mais par contre, vraiment, là où vous étiez, il y avait max de loot, mais il y avait un truc rouge qui a couru dans les escaliers là, le second escalier. Je suis en mode, mais c'était quoi? Genre, est-ce que c'était le loot bug qui allait à une vitesse ou une autre entité? J'ai pas pu. J'en sais rien du tout. On l'a pas vu. Mais bon, moi je me suis dit on va pas grider, on a suffisamment. Ouais, mais rien. Du coup, faut tout vendre. Zéro. Moon, compagnie, confirme. Ouais, même pas besoin de marquer confirme, juste conf, ça suffit. Mais j'adore. Bah, en vrai, attends. Merde. Ah, le bruit, putain. Le klaxon, le klaxon tellement triste. Il y en a qui disent que ce sont des bruits de jouissance qui sont méga saturés. Pardon? Par contre, ouvrir. Y a quelque chose de contre ou pas du coup? Attends, pourquoi Ah mais ça, on laisse tout là. Voilà. Ouais, laisse Toki et
Les... Ah ok, je laisse mon talkie. Ouais. Je fais pas attention. Je fais pas de ça. Je fais... store item. Ok. Allez go. Pourquoi tu entends un bruit comme dans Fight Après 10 là? J'aime pas ça. C'est bon, vous avez tout mis? Ouais, alors, c'est vrai qu'on t'a pas expliqué, Radar, mais il y a une sonnette, en gros, pour appeler l'entité qui va prendre les objets. Alors, des fois, là, il se passe rien. Des fois, tu vas entendre des petits gazouillis. Si t'en as pas, c'est qu'il va rien se passer. Donc, faut... attention. Voilà. Il faut pas que l'entité qui gère les items te prenne. Si, si t'appuies trop sur la sonnette, en fait, elle s'énerve et elle te tue. Et en fait, on l'a pas vu parce que bah, personne n'est mort, entre guillemets, pour l'instant. Mais en fait, t'as des grosses pénalités de, sur les sommes que tu dois faire. Tu perds 20% à chaque fois que quelqu'un va mourir. 348. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on a quoi? On a 3 talkies, je crois. On a 3 talkies et 2 flashlights. Mais classique. Classique, ouais. C'est quoi ça? À moins 20% là. TZP inhalant. Ah non, ok, non, je pense savoir c'est quoi. C'est le gaz inhalant. Je pense savoir c'est quoi. C'est le gaz, ouais. Moi j'ai pas compris ce à quoi ça servait. Dans une de mes parties, il y a un mec qui m'a dit oui, il faut le prendre, ça, c'est pour tuer les mobs. Du coup, j'ai l'utilisé et au final, ça m'a tué. Ah, ah mais non. Donc c'était pas super, une super expérience. Bah, est-ce qu'on prend. Là, on a combien, tu t'as dit? 348. Merde, on est à 2 du téléporteur. Ah putain, ouais, je crois que c'est 350, je crois. Bah, on fera. Téléporteur, c'est pire. 450? Non, 375. Oui, bon, ça va. C'est dans l'idée de. En vrai, qu'est-ce qu'on achète du coup? Bah, une flashlight. Je fais de plus classique. En vrai, je pense une pro, hein. Une pro 25, hein. Bon, écoute. Après, s'il y en a un qui se sent vraiment aventuré et qui veut prendre une pelle pour frapper les mobs, on peut, hein. Mais du coup, ça fait 3 slots d'items utilisés. Après, si on trouve des panneaux là-bas, c'est pas ça, hein, normalement. Oui, mais faut trouver des panneaux, c'est pas garanti. Ouais, on est pas dans la merde là. Ah, mais ça me saoule. Bah écoute, tu sais quoi, on va acheter une pro, je pense. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et. Je pense que. Ouais. C'est toi. Prouve le fait que t'as. C'est lui. Au pire, on verra. Écoute, j'ai juste acheté la lampe. Ça, comment vous avez mis les stuff, bordel. Ben, on vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Et une bonne année. Na 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 ni na na ni li du. Allez, c'est bon, on décolle. On a tout, je crois. Alors, le mec, il est des maniaques, il a rebranché les toki avec les toki et les lampes avec les lampes, quoi. C'est qui, c'est lui? Allez, on décolle. On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Alors, qu'est-ce qu'on est dispo? Gotha Reached. C'est pas très bon là ce que je vois. C'est-à-dire? Toutes les maps, il y a danger. Génial.
Parce qu'on a marche en Stormy, Offsense, Din, Expérimentation, Vow en mode inondation, Assurance, Renz, ils sont en Eclipse. Je sais pas ce que ça fait le Stormy. Ah oui, Stormy, c'est l'orage. C'est l'orage. Et Titan, c'est Foggy. En vrai, je pense que le moins pire, c'est l'orage. Hein. C'est sûr, c'est marche, hein, donc c'est la map où on avait eu le Titan en plus. Donc, merde, comment on va faire là? Déjà, si on prend inondation, faut qu'on rush. Oui. Et nous connaissant, voilà. Bah écoute. Moi, je serais d'accord pour. Pour l'orage. Allez. Allez, c'est parti, orage. Donc, orage, si tu. C'est comme dans Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Si tu vois un éclair autour de l'objet, c'est que bah, ça va attirer la foudre, donc il faut le lâcher et se barrer. Après, tu peux repartir, le prendre. On va le reprendre l'objet? Ouais, ouais, tu peux le reprendre après. Qui est dans le camion? Qui est dans le camion? Bah là, vu qu'on a tous les trois flashlights et machin, là on peut se séparer. Vous voulez qu'on y aille? Ok, allez. Pensez à recharger si c'est pas fait. Ah, bah y'a quelqu'un, il a pas rechargé sa lampe, ouais. C'est pas à moi, hein. Hihi. Allez, allons-y. Où est l'entrée? Bonne question, je ne sais pas. Eh si, c'est vide. Non, c'est là-bas, je crois. Ah oui, c'est en face. C'est pas le coup. Ne sautez pas dans le vide par pitié. Ouais. Ah, ruche d'abeille. Ouais, bah on va pas tromper, hein. Bon chance. Allez, j'allume le toki. Ok, déjà j'entends une mine. J'ai déjà deux loots, trois loots. Ah, je garde ma technique, hein. Très utile. Par contre, quand on dit de foutre à l'entrée, faut vraiment le foutre à l'entrée. Oh les cons! Oh les gros cons! Je sais pas qui est décédé du coup. Attends, je reste pas en face, ça va répéter. Y'a un générateur sur moi. C'est qui est vivant? C'est Radarm? De quoi? C'est toi Radarm qui est vivant? Ok, Red est décédé parce qu'il avait la merveilleuse idée de sortir avec des objets métalliques et donc du coup comme il y a orage, bah, il s'est fait cramer le cul. Mince. Voilà. Super. Là où je suis, il y a une espèce de générateur que vous avez pris là, la première fois qu'on est allé. En vrai, si tu te souviens d'où est la sortie, prends-le et casse-toi. Faut que tu sois. Ça va automatiquement te mettre full dans tes mains. Mais oui, mais parce que du coup j'ai le talkie walkie et la lampe, du coup, s'il n'y a pas besoin d'autres places. Normalement non. Ça devrait le faire si t'as ton talkie ouvert. Par contre, tu pourras plus communiquer avec le talkie. Donc si je le prends, faut que je cours. Exactement. Par contre, tu feras gaffe dès que tu sors, vu que Red est mort pile devant l'entrée. Faut pas que tu te prennes par malchance un éclair. Bon chance, rejet cela. Ah! Là voilà. Là voilà. J'avais pas d'objet métallique, hein. Putain, mais moi je voyais même pas des clones de l'orage sur l'objet. En fait, t'entends un grésillement. Putain, j'aurais dû rush. Ah merde. Bah lui il va mourir lui par contre.
Peut-être pas. Il y a mon corps à gauche. Ah oui, mais en fait, l'éclair, t'as pas le nagué méga loin. Avance, Radarma, avance, avance, avance. Ouais, attendez, dans la merde. Ah ouais, orage, c'est violent en vrai. Là, faut faire attention. Lui, normalement, il risque rien. Donc après, libre à lui de voir s'il va récupérer nos objets ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, bien vu. Ah, c'était pas sur l'objet. Si, voilà. Bien joué. Il a entendu. Ah oui, mais donc même si c'est un truc métallique, en fait, c'est que c'est random nice quoi, quand il va... Oui, mais t'as un bruit qui t'indique. Ah. Il passe de l'autre côté. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? T'inquiète, il a senti les gens. Par contre, il faut qu'il récupère notre stuff. Hein. Lâche. Non, c'est bon, il est à l'intérieur. C'est bon. Oh, d'accord. On ressent ou pas toujours? Mais on est mort. Oui, mais il sait pas. Là, il va le savoir. Allô. Là, il va le savoir qu'on est mort. Ah oui, mais est-ce qu'il s'est décollé? Normalement, oui. Alors, j'espère que je suis pas le seul vivant encore parce que. T'es le seul vivant! Et pourtant. En fait, ce qu'il devrait mieux. Là, ce qu'il devrait faire, c'est récupérer les lampes et toki. Non, se casser. Il y a un mob. Oh merde, du coup on a tout perdu. Mais non, on a pas tout perdu, c'est pas grave. Bah, lampe et talkie, ça fait mal, hein. Oui. Non, mais. Ah putain, ose me dire qu'il sait pas décoller. Sinon. Hein. Mais je sais même pas ce que je dois faire. Raison de vaisseau. Ne bouge pas! La merde, j'ai rien compris. Bouge pas! En fait, il a pas compris qu'il faut tirer le levier pour se barrer. Ouais, faut. Ok, non, mais faut vraiment qu'on lui explique ça. Hein. Bouge pas! Ne bouge pas! Fais pas le con! Oh le. On a tellement mal géré là. Enfin, on risque de perdre en vrai là. Attends, je sais pas. Là, on est sur la première journée sur 3. Je crois pas, non. Ah, je crois que si. Ah, c'est bon. Ah, il a compris. Il a trouvé. Bon, bah là. Ouah, attends, on a merdé de fou. Oh, merde. B, genre. Bien joué. Oh bah... Ah merde, les cadavres, on les a pas récupérés. Vous êtes là? Oui, bah oui, bah non, on était... On non, est... on était morts. Par contre, oui, l'interrupteur... Ouais, les corps, fallait... Désolé, je savais pas qu'il... Je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. Y'a pas de soucis. Ah mais je t'ai vu que t'as paniqué à mort. Hein. Par contre, où est la putain de lumière? Tu peux éclairer les murs, Radam, s'il te plaît? Elle est quoi? Éclairer le mur, y'a une... Ah, c'est bon, j'ai... Ah bah voilà. Ouais, en fait, j'ai vu l'espèce de monstre tout à l'heure dans la forêt, du coup, j'ai bâché le chien sur son en arrière. Mais t'as raison, c'est ce qu'il fallait. C'était le chien. On a le copain de quota. Ah, oui, t'as raison. Bah, on a 195 encore. Je vais t'acheter les lampes pourries. Oh, les lampes pourries, 6 balles! De quoi, lesquelles, les pourries? Les flashlights verts, ouais! 6 euros, putain, 60 à en retirer. Ben, ah, en vrai, on les prend. Hein. Il nous faut combien? On est 2 morts, je crois. Lui, il a encore sa lampe, donc ouais, on va prendre. Bah, il a encore lampe Toki, normalement, Radar, c'est ça? J'ai tout, ouais. Ça coûte 12 balles. Allez, bien sûr. Walkie, c'est 12 balles, donc je sais pas si j'en rachète 2. Bah, vas-y. Hein. Je pense que c'est mieux pour vous. Hein. Oui. 24 balles, bon ça passe!
En vrai, Radarm, si tu veux savoir si on est mort ou pas, t'as l'écran qui est derrière. Attends, on va attendre qu'il décolle. Oh, Linus, t'es ouvert. En fait, tu vois que quand le bouton blanc, ça sert à switcher les points de vue, le bouton rouge, ça sert à éteindre l'écran. Et si tu vois qu'on bouge plus, bon bah c'est qu'en général, on est décédé. On est mort, voilà, exactement. Faut que, si tu veux, chaque perso est représenté par un point. Si le point est bleu foncé, il est mort. S'il est bleu clair, il est vivant. Ah, le bois foncé, j'ai jamais su. Le bleu foncé, pardon, pas le bois foncé. Ouais, mais parce que, ouais, même parce qu'en fait, tu répondais plus. Et vu que j'avais pris le générateur, je savais pas si mon Takiwaki marchait toujours. Bah non, si, ça marche toujours, hein, ça n'a aucun rapport. Mais au bout d'un, il y avait un éclair, putain, j'ai vite lâché mon objet et... Oui, ah mais, non, parce mais, que t'as entendu le grésillement. Et en fait, moi je pense que j'ai pas entendu le grésillement parce que tu me parlais en même temps. Ah mais t'es mort comme ça, t'es je me suis fait cramer littéralement 2 mètres après mon dernier message. Ah putain, le gars il a parlé. Non mais moi, il a pas entendu un message orange. Et j'ai eu un message orange qui m'a dit dropper votre objet, je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ah bah tiens. Moi je l'ai pas eu moi. Bon, du coup, on va aller dans l'assurance, hein, moi, vrai, hein, je pense. Bah, on a combien de jours encore? On a deux jours. Le mieux c'est d'aller à Marche, non? On peut retourner à Marche, on peut aller à Offsense aussi. Hein. On peut retourner à Marche si on. Mais Offsense, attends, il faisait pas la pluie et qu'on l'a pas refait, je crois. Ah, merci Twents pour le follow. Merci, c'était cool la session que j'étais hier. Confirme. T'as fait quoi, Ludo? J'ai voté Offsense. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. GTA 6. Offense. Mais après, moi, le problème, c'est que GTA, je joue pas en solo. Donc pour moi, tu vois, GTA 6, c'est. J'en ai rien à foutre. Bon, après, GTA 6, je sais pas si ça va être intéressant. Enfin, j'ai vu le trailer, mais bon. Ah mais le trailer hein. C'est une dinguerie le GTA 6. Ça dépend combien il va coûter sur toi après. Ah il va coûter sur toi tu veux pas 80 hein, comme tous les jeux PS5 hein. Après sortir sur PS6 il vaudra 100 balles. Oui c'est pas plan, on l'a pas refait. Alors faut attendre de... On s'est fait tuer par le sable. Attendre quoi? Ben on va avoir le vendeur. Normalement il va être juste en face. Je ne me gourre pas. Oui, on le voit dans le ciel, il y a un petit point. Ouvert. Bah, faut ouvrir les yeux. Hein. Ah ouais. T'as rechargé Toki et lampe, Radam? C'est bon, moi j'ai tout. Ouna, merci. Oulala. Bah, en vrai, on peut y aller tous les trois et c'est pareil. Hein. Bah moi j'y vais moi hein. Bon j'attends Radarm quand même, parce qu'il connaît pas. Moi je t'attends vu que tu connais pas les lieux. Mais je l'avais lancé, enfin. Il est allumé en même temps. Allez vas-y. Vamos. Alors tu vas voir le chemin est pas très compliqué, en fait faut suivre le viaduc là. Ouais. Donc on tourne. Tu montes cette petite colline là. Vous ferez gaffe qu'il y a une mine. Quand vous rentrez, il y a une mine à gauche, couloir gauche. Je répète, mine, couloir gauche. Ça roule. Là, faut que tu fasses un saut. Voilà. Ensuite, tout droit. Petit parcours. Ça marche, rochez cela. Hop, petite épave de camion. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais d'accord. Il a dit que c'était boum. Et c'était poum. Donc il a dit à gauche, mine. Ah oui, mine là direct. Ok, bah allons en face alors. On peut se séparer? Ouais, ou... si tu veux. Bon, elle est devant, hein. C'est la seule zone qui a pas été check. Ah, d'accord. Bon. Ah, okay. Ah, moteur, je le prends. Moteur! Mine, en bas, mine. Mine à l'entrée en bas. Rien d'autre. Là. Effectivement. Ah oui, c'est vrai, c'est la lampe. Lampe! Attention, longez bien à la droite. Il y a une clef. Tourelle!
du coup elle va être là aussi. Non c'est bon. Y'a une mine ici, en face de moi là-bas y'a une mine. Oh non y'a une foggy putain. Mine, attention mine à gauche, Je suis déjà du père. La mine elle est un peu dans un cul-de-sac quoi. Ouais, donc là c'est brouillard. Ouais c'est brouillard mais il y a, Olivier Mine. C'est bon j'ai trouvé un truc. Oula brouillard Brouillard mais Olivier Mine hein. Faites gaffe. Ok. Non mais moi je vais pas dans le brouillard. Il y a une mine derrière. Je crois qu'il y a rien. Il y a R. Ah ouais là on vient à l'entrée. C'est de la bite. Oui en fait c'était Et y'a rien ici. Apparemment il a dit c'est check. Ah ouais c'est cul de sac. Ouais bah c'est à chier comme zone. Par contre je sais pas où est la fire exit ici. Est-ce que Red tu es toujours vivant? Apparemment non. Je sais pas où est... Attends, on va repartir dehors, on va essayer de... Mon mec, j'ai l'impression qu'il y a une identité là avec moi. Je crois qu'il y a une identité avec moi, je suis pas sûr. Ah bah... je sais pas, je pourrais pas te dire. Attends, viens radar, mon sort. On va essayer de trouver nous la fire exit. Après en soi on peut ramener ça. Hein. T'as de la place radar? Je le prenne. Ouais, vas-y. J'en ai deux. Allez, let's go. Tu sauras faire... ah ben, ok. Tu sauras faire le trajet retour ou... Oui. Moi, ouais. Il faut que je recharge la lampe. Bah allez-y, enfin, moi je vais tenter de trouver la fire exit. La fire exit, la fire exit, je sais où elle peut être la fire exit, mais j'ai pas de batterie dans ma lampe. Vas-y, tu peux. Oui, je peux. Je sais où elle peut être, mais je te le dirai pas, hein, parce que vraiment... Ok, bon, attends, je vais me démerder. Tu retournes au vaisseau, je pense, Radam, ce sera mieux et tu pourras économiser. Et il est où le... Ah, le... Ok, c'est bon. Vas-y, j'y vais. Ouais, c'est bon. Je sais pas du tout où est la sortie ici. Hein. Au pire, bon, bah, je me repérerai. I don't know where it is. Ou alors elle est en hauteur quelque part. Je sais pas du tout. Quoi qu'en vrai il est 16h, on a 18 en plus et le NG niveau 70, je crois un truc comme ça. Combien niveau. Merci Zenith pour le follow. J'espère que ça va bien. C'est incroyable. Je sais pas. Red, tu sais où est la fire exit sur cette planète? Ah, je crois qu'elle est en haut. Ouais, j'arrive. Ah bah tiens, je te vois. Elle est pas en haut, là? Dans mes souvenirs... Dans mes souvenirs, il y a un sort de... Il y a un parcours que tu peux faire pour aller en haut. Je me demande si c'est pas en haut, ouais. Besoin que je revienne ou pas, du coup? C'est bon, la nuit, elle tombe, là. Ah, en vrai, il est 17h, je pense qu'on va rentrer. Ouais, on va... Ouais, fini, on part. Bah écoute, ça va, tranquillou. Sur Little Company, du coup. Et on va se casser. On va se casser, il fait nuit, hein. Et il est... Ah oui, il est où, genre. C'est bon. Alors, par contre, il va falloir qu'on soit efficace le dernier jour. Hein. Tout le monde a posé ses objets, ouais. Là. Ouais, j'ai juste eu un seul objet, moi. 63. Oh là là. On peut rien pour. Ça va être flip, hein. Faut trouver une map, il faut trouver une map où on peut avoir beaucoup de loot. Tout loot, dou da da da. Allez, on décolle. On va pas oublier de prendre les clés hein, parce qu'on en a 4 en stock hein. Ouais. Eh ben écoute mon cher Zenith, tu vas sans doute voir un let's play de qualité.
ou pas. Ou pas du tout. Ah non mais Radar, t'es toujours le flemmard, hein. T'es toujours l'employé le plus flemmard. Hein. Ah, je l'ai pas été pendant un jour du coup, mais... Ouais. Ouais. Bon allez, c'est parti, dernière chance. Bah on peut aller à Vaux. Hein. Vaux, ok. Après il y a Rendine, mais... Non mais voilà. C'est payant pour y aller. Payant. Ouais, je crois que c'est 500 balles. Il y a des zones où tu dois payer pour y aller. Ouais, c'est les zones confirmées. On peut boom, oui, si jamais tu es dans une map avec un éclair et que l'éclair te tombe dessus. Ou une mine. Ou une mine. Ah, comme vous. On va à Vaux. Dernier endroit. Allez. Yoink. Putain, j'ai mal au bassin. 7-0-0-8-9-6-9-7. Ah oui, merde, j'ai pas rechargé. Prends une T ou pas? Ouais. Tiens. Clé. Bah oui. Ouais, je pense. Hein. Attends, c'est quelle map on est? Vaux déjà? Ah, mais à Vaux. Je connais pas l'entrée. Hein. C'est 90% du temps. Ah, mais si! C'est... Attends, mais Vaux, c'est pas la map on s'est. Ah non, mais non, c'est Marche qu'on s'est fait tuer, je crois. Attends. Hop. Je crois que l'entrée, c'est par là. Après, le jeu Zenith est pas cher. Hein. Il est à 10 balles, je crois. Je me souviens plus. C'est par là. Je sais jamais sur cette map, c'est l'enfer. Oui, c'est là. Attends, on est bien tous les trois là. C'est la... oui, il est derrière, je crois. Là, arrive. Mais c'était la map où on a fait. Ne pas courir. Passez pas sur celui-là. En fait, le truc, c'est que si on passe à plusieurs sur l'autre, il s'effondre. Ah mince. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Mais t'es où? En bas! Mais tu peux remonter par là! Oh là là, le mec il panique pour rien. C'est pas possible ce gosse. Oh. Oh là là là. Oh. Oh. Ok. Oh. Au pire, tu aurais pu passer par Fire aussi, toi. Oui, bon, allez. On va où? Entrée? À l'entrée, oui. Ah bah, bah, vas-y. Elle est où l'entrée? Non, c'est moi qui t'ont jamais fait les maps, quoi. Bon, il y a une clé de l'entrée. Ah oui, le Toki. Vous me recevez, Roger? Ouais, je te reçois, oh, j'ai déjà trouvé du loot. Oh, j'ai trouvé une clé, mon dieu! J'ai trouvé une grosse tarif room là. Une quoi? Tu pourrais articuler, on a rien compris. J'ai trouvé du loot là, chez moi. Je vais le récupérer. Moi j'arrive. Attends, Radar, j'entends un énorme bruit. Non, CDS. Avance. C'est... Alarme? Ah. Toi, tu m'as fait trop peur. Je vais trouver une clé, mais je vais la prendre. Ok. Oh! Alors, attends. Radam. Il est où? Attends, viens, mais t'approches pas trop. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh, regarde. Éclair en haut là. Tu vois la petite bestiole? Ah! Oh, oh! Pas ça! Je me taille. Quoi? En fait, elle te bouffe le cul et tu meurs. Ok. Donc faut pas passer en dessous. Moi, je veux bien me faire bouffer le cul, moi. Non, parce qu'après, on va avoir un rythme sur la confiance là. Ça regarde, il y a du brouillard encore. Oh, putain, ouais, faut trouver la vanne qui éteint. C'est pas ça là? J'ai entendu le double fade là. Moi j'ai entendu un truc, ouais.
J'ai entendu un monstre, hein. Vers là-bas, là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. J'ai entendu un monstre. Le mec qui me fait paniquer, mais d'une part. Donc... Oh, oui, c'est quoi la balle, hein? Blue bug. Oui, bonjour, c'est moi, Jérôme. Non, je n'ai pas changé. C'est le hippie. On l'appelle le hippie. On l'appelle le hippie. Qu'est-ce qu'il y a? Je me faisais chuter. What do you mean? Y'a rien. Oh non! Oh non, pas c'est ça, je sais c'est quoi. Y'a Vaken, l'entité tout noir avec des branches. What des do spikes. You mean? Le slime arrive en tout cas. Les mecs. Nanana, nanana, what do you mean? On est pas dans la merde, hein. J'ai pas le slime. Bah... on est cul-de-sac, je crois. Mais c'est que... Attirez-le, ouais. Oh là là, il y a Jean-Michel derrière, Jean-Michelu. Comment? Pas envie de sauter dans le vide non plus. Ouais, tombe pas dans le vide, s'il te plaît. T'as rien pris? Moi j'ai rien sur moi, mais il y a Jean-Michelu à droite. Moi j'ai rien sur moi aussi. Comment j'ai pris? Je suis passé. Attention, Jean-Michelu à droite. Jean-Michelu à droite. Mince. Putain, mais en vrai, il y a rien. Attendez, les gars, on ressort, on passe par la fire exit. Hein. Non, non, je suis là, mais... Attends, il est où Radar? Il y a juste le slime qui arrive en fait vers vous. Merde. En vrai, si moi j'arrive à la tirer en face là. Vas-y Radar, tu peux y aller! 3h55 là devant. Radar, tu peux y aller! Radar, vas-y, vite, on se casse. Mais c'est pas besoin. Quelqu'un. On va passer en dessous. Bah, faut se grouiller, hein, t'as vu l'heure? Ouais, 4-4, mais on a pas d'objets. On a des objets. Ouais. Vite, on ramène ça. C'était une bonne idée de passer par ce pont, non? Non, ouais, oui. Ils sont pas mauvais. Bah, de toute façon, je pense que c'est d'edge, hein. On va pas se le cacher. Hein. Je pense qu'on est foutu en termes de quota. Ouais, et c'est combien le quota? 300, je sais plus combien. Je pense qu'on n'est pas à 300 du tout. Je sais pas, ça donne combien de toute façon ces trucs de bidon. Je sais pas. Faudrait poser, faire clic droit pour savoir. Géant, les mecs, géant. Adieu! C'était super! J'ai adoré! Bon, j'avais rien sur moi au pire, et puis. Oui, il a eu de la chance. En fait, on dirait le masque dans Majora's Mask. Ah ouais, il tourne autour de Radar. Par contre, il va falloir absolument qu'il bouge. Vas-y. C'est bien Bébou. Vas-y. Il est où? Oh, c'est très très bien joué. Mais bon, on aura quand même pas le quota. Hein. On va pas arriver. Viens, il arrive. Chut. Mais passe par derrière. Drop tout. T'as que ça? On est mort. T'as 188, non, on est mort.
faut récupérer ce qu'il a fait lui. Je suis sûr qu'il avait de bons loot. Oh, il était. J'avais rien. Barrez-vous. Il a l'or, tout le kit, de toute façon, c'est mort. Mais il a aussi le bison comme toi. Faut qu'il se barre. Alors qu'il gère toi. Mais par pitié. Trouve peut-être tes trucs en vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Hein? Drop ta lampe, je pense. On va... Mais non, mais n'allez pas chercher mon loot, il m'a bouffé le cul! Ah voilà. Mais t'as le walkie-walkie ou pas? Après, c'est toi qui vois parce que. En fait, non, mais de toute façon, en fait, c'est soit on risque, et peut-être qu'on gagne. Oh merde, bah non, on démarre. Il veut partir. Mais non, On va partir. Bon, on est mort. On est mort, c'est sûr. Je vais aller récupérer direct. C'est juste que. Putain. Ils écoutent tourner autour de moi là. Putain, bon, game over. Hein. On va s'en refaire une, je pense, après. J'aime bien ce jeu. Je suis tellement accro à ça. Il est bien. Pour un jeu qui buzz mieux qu'Among Us, ouais. En vrai, il buzz moins qu'Among Us, hein. En vrai, je pense qu'on regarde les chiffres, Among Us a fait un plus haut pic d'audience que ce jeu-là. Bah alors, t'as répété toi? Bon, bah, hein. On fait quoi? On se suicide ou je relance un truc ou je sais pas comment ça se passe? Bah, on va à la compagnie. Bah, on va mourir. Oui. Allez, confisqué. Aïe aïe aïe. Confisque couche. Y'a tout là ou y'a encore du. Ah, y'a tout, je crois. Encore, y'a encore. Ah, y'a encore. Après les clés ça se vend pas, les tokens non plus, les lampes non plus. Ouais. Là y'a plus rien je crois. Ok pas. Les clés ils sont des 10 hein. Non ça vaut rien, je vous assure. Bah 3 balles. Non ça vaut rien. Hein. Oh, ça compte 0. Parce que ça a été changé dans la mise à jour mais je crois pas. Par contre Michel, on va être envoyé, donc s'il te plaît. T'as ouvert? Quoi, j'ai ouvert? Ça fait 10 fois que je sonne. Énervé. Je l'entends gazouiller. Ouais. Je sais pas si on a toujours. Attention. Il a ouvert. Voilà, c'était une belle vie, hein. Bon, bah. 235, dommage. Putain. Allez. Tu me diras que si j'étais pas mort par l'orage avant, on aurait peut-être passé, hein. Plus jamais je reprends le temps éclair. Oh, éclair 4, pardon. Tu vois, t'aurais pu te retenir un peu, tu vois. Allez, je me suicide. Merde, la porte vient de fermer. Ouvre la porte! Oui, bon, voilà. C'est quand? Bon, bah voilà. Voilà. Bon, bah, au revoir. Welcome to our disciplinary process. Ouais! Des bisous YouTube!